se demande bien pourquoi tu l'as laissé passer la petite daronne, hein. Non. Non, pas du tout. C'est pour les enfants. Putain. J'ai un cheveu dans la bouche, gros, j'arrive pas à m'en débarrasser. Du coup, je suis en train de cracher dans ma cagoule. C'est bon. Ne me jugez pas, hein, s'il vous plaît. Un petit peu d'indulgence. Non mais c'est juste horrible quand t'as un cheveu coincé dans la bouche là, tu peux rien faire là, t'as l'impression que tu te fais ken par un cheveu, tu vois, genre c'est c'est mauvais bail quoi. Hein? Ah merci beaucoup. Ah ouais, bah c'est... Ah, c'est une ligne complète, c'est pour ça. Ouais, 5000 ouais. Mais bon, ça sert à rien ici, hein. Ouais, tu vas aller t'amuser. Ouais. Allez, bon courage, salut. Elle a rien vu, mais alors rien du tout, quoi. Le fait était indiqué à droite, t'as regardé à gauche. En même temps, sélection naturelle, mon pote. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait avec sa trottinette, là? Oh putain, ah mais je serais tellement pas sûr. Oh putain. Ah les mecs ils sont dingues quand même, hein. Déjà que nous on est assez barjot de rouler en bécane. Alors en trottinette, ça c'est... Pouah, je pourrais pas le faire. Ah il a 70, hein. Ça pousse ton truc, hein. Tu prends combien avec? Ah ouais. Et il est à combien? Il a 70. Ah vas-y, fais attention mon pote. Oh là là, mec, c'est énorme. Ah, il m'a tué. Oh là 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 là. Putain, c'est... Ah, je kiffe son machin. En fait, c'est homologué. Hein? C'est homologué aussi. Mais est-ce que nous on l'a aussi? Non. Voilà. Putain, mec, t'as des petites LED et tout, quoi. C'est... Mais ça vaut 3000 euros, ça. Hein. Ouais, certainement. Hein. C'est ça. Ouais? Ok, d'accord, il a dit. Pour rien, c'est 3000 euros. Ouais, c'est ça. Hein. Putain, on dirait un alien, quoi. T'as même un clignotant, non, t'es mort. Oh, c'est ouf. Putain, mec, tu m'as refait ma journée là, je te jure. Hein? Attends, je t'entends pas, t'as dit quoi?
Ah ouais. Ah, je flouterais ta tête. Ah ouais. Ah ouais, je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour ça. Ah, c'est quoi la tête? C'est ça me suffit. Ça me suffit. Ouais, t'iras voir. Allez, bon courage, bonne journée, salut. Fais gaffe à toi, hein. Ça drift. Waouh, waouh. Je suis vraiment un gamin. Un jour, j'ai fini par me mettre au taf à force de faire des trucs comme ça. Là. Petite zone industrielle. Putain, c'est bien pour lever, ça n'empêche. Hein. Attends, je vais voir ce que ça donne. Vas-y. Toi t'as pas le temps, vraiment vieille. Ouais, le dernier était ça va. Il était soin, en fait, hein, il était soin, mais ouais. Il était ouais. Je me suis fait un peu caca dessus, attends, j'ai. Ah, vous en faites pas pour le ralenti, c'est normal. Faut que je la fasse régler au banc. C'est pour ça qu'elle a un ralenti chelou. Et ça, je vais le faire bientôt, mais bon, pour le moment, il n'y a plus trop de thunes, donc on va attendre un peu. Du cul, hein. Avec tes jambes, on dirait des feux rouges. T'as porté 20 kilos, on t'a assisté à 8. chevaux et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ah! Putain, il m'a tué, je crois qu'il avait posé le genou. Putain, je reconnais cet endroit, j'y allais à l'époque. Il y avait le JP Moto ici à l'époque. Je sais pas s'il est toujours ce JP Moto. Alors JP Moto, pour la petite anecdote, c'est le concessionnaire qui s'occupait de ma moto. Oh, il y a de ça au moins, je dirais 4-5 ans, ma première moto, donc du Bandit 650, c'est lui qui s'en occupait. Il s'occupait du SV6,5. Et ensuite, bah, quand je suis passé chez Honda avec le CBR, bah, du coup, je suis passé chez chez Seb Desmo Moto, hein, que j'ai rencontré entre temps, qui assure maintenant tous mes entretiens. Mais sinon, voilà, le premier à s'occuper de mes bécanes, c'était JP Moto dans le 91. Je sais pas s'il existe encore, c'est ce qu'on va voir. De toute façon, c'était juste après. Si ma mémoire est bonne, c'était juste après le BP qui est là-bas. Non, il était là par là. Ah non, ça existe peu. Cacha Geraldo Tepositos. Toyota. Ouais, non, c'était avant. Donc, ouais, non, il n'existe plus. Donc, JP Moto, ça n'existe plus. Bah écoute, repose en paix, mon petit JP. Hein ?
C'est combien? Ça, c'est 8000 euros. 8000 euros. Ouais. Quoi, ça, 5000, ouais. Elle est belle. J'ai un SXR. C'est quoi dans ton dos là? C'est le. C'est quoi ça là? Ça, c'est un sac à dos. C'est quoi si tu tombes ça? C'est pas trop, quoi? Non, 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 c'est juste un sac à dos. Non, par contre, j'ai la dorsale qui est en dessous. Ah, ok. Ouais, ouais. Ça, c'est ouais, ouais. Merci, frérot. T'as dit quoi? J'ai dit t'es un enfant, tu dois te coucher tôt. Ouais, j'ai mon petit lait qui m'attend. Ouais. Oh. Ouais, je prends le sang. Salut les gars, rentrez bien, ciao. Ouais, gaffe à toi. Yes.